Whale, on s'est arrêté hier. Ah! Putain, on s'est arrêté là. Je me rappelais plus. Je ne me rappelais plus. Ah, je suis passé. Je suis passé. Okay. Ah, ça me ramène là-bas. Très bien. Si je cours comme ça, je peux les avoir. Ok. Oh merde. Allez, tourne. Yes. Ok, j'ai une belle épée. Merde. Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. En faire d'habitude. Ah, comment je... Attends, mais comment il va le sable là-bas? Bah, normalement, je devrais totalement... Ah, attendez. Ah bah voilà. Oh, mais quel est con. Bah tout pareil, mais sans oublier de tourner alors. Voilà. Et on a une petite épée. Épée de Gaïa. Ça peut être bien ça. 319. Vas-y, moi je vais la donner à mon warrior. Est-ce que l'épée de mon warrior est mieux donnée? Non. Ok. Donc là, il en faut un tout droit. Monsieur, c'est peut-être. Non, je pense pas. Je ne pense pas que porter soit la bonne solution. Déplacer. Ah voilà. Tac. Déplacer. Tac. Voilà maintenant. On peut push. Ouf. Ouf. Pas par là. Faut juste que je vois où est-ce que je le mets entre les deux. Parce que là j'ai deux possibilités pour celui-là. Ah, attends, j'en ai deux qui font tchouk tchouk. Parce que si je me mets là, m'en faut un qui fait comme ça. Non, faut que ce soit celui là-bas. Donc là, tac tac. Ici, tac tac. Et coucou Chino le plus bas. Comment que ça va? Attends, si là je le mets, je le mets droit. Ici, ça fait tac tac. Et coucou Rayli, comment allez-vous? Ça ne va pas. Là oui. Bah là non. Attends, mais il n'y a que ça. Golden Soul. Si ça se tourne pas les bidules, ça va être compliqué là. Là, je peux mettre celui-là. Mais si ça va plus. Si ça va plus. Ça ne va plus. Mais là, ça peut pas être là parce qu'ici, il me faut un plat. Attends, c'est bizarre. Bizarre. Merci, Chino. Il va y avoir une suite du jeu Catherine. Cool, je la ferai pas. Super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Faudra que je pense à oublier de le faire. Ah, c'est le dernier là qui me pose problème.
tout il est logique sauf le dernier, mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, tout il est logique sauf le dernier au final. Ah, attends, attends. Bah non, en fait c'était logique. Si lui je le mettais là, lui je le mets. Ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Arrête, t'as été haut, bas, gauche, droite là. Ça suffit, monsieur. Je vous demande de vous arrêter. Je peux pas passer ? Ah si. Donc lui, il va là. C'est bon. Lui. De quoi tu l'as, tu m'as dit ? Tu me dis haut, gauche, bas, milieu. Ça ne veut rien dire, monsieur. Bon, et comment ça va ton dos, toi? T'es réparé? En haut à gauche, puis bas, puis milieu, puis droite. Ah, c'est ça que t'appelles le bas gauche? Ah d'accord, ok, c'est ça que t'appelles le bas. Très bien, je ne vous avais pas compris, tant... Excusez-moi. Faut me parler avec plus de mots, moi, chinois. Hein. Surtout le matin, hein. C'est dur, le matin. Je vais faire une connerie. Oui, je vais faire une connerie. Ah, tu reprends lundi, là? Ça va aller? Et pas... Je verrai bien, ouais. Courage, my friend, courage. Ça va t'aller. Et paf. Incroyable. Piou, 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 piou. Et paf. Alors par contre, c'est juste un endroit où on pouvait aller avant. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, non, faut aller marcher là. D'accord. Je don't understand. Je bosse lundi matin, soir mardi, mercredi, jeudi, maison, vendredi matin, après-midi, samedi. Ok. Putain, oui, ils font même pas reprendre en mode tranquille, quoi. Parce que ça fait un moment que t'as pas bossé là en plus. Avec tes arrêts. Enfin, c'est vraiment le gang des tamalous ici. C'est fou. On est tous cassés de partout. Enfin, là, normalement, ça me fait aller de l'autre côté, du coup. Voilà. Exactly. Il n'y a pas de petite porte dérobée, rien du tout. Parce qu'il y a forcément un jean ici, hein, qu'on n'a pas eu. Enfin, je vous le dis. Ça manque de jean. Ok. Ah. Oh, elle va juste taper. À mi-temps thérapeutique. Puis on dit mars. Tu as travaillé 10 jours en mode. Bah ouais, c'est ça. Et ils t'ont quand même foutu en mi-temps thérapeutique. Excusez-moi, je coupe 2 secondes pour me moucher. Bah écoute, j'espère en tout cas que ça va aller pour toi. Et que tu vas pas te rebigouiller le dos sur un faux mouvement ou une connerie comme ça. Ouch.
Allez. Opération sauvetage. Yes, amuse-toi bien. Alors, on va essayer de remonter tout le monde avec lui. Tac, très bien. Ah! Qu'est-ce que... J'ai resté sur mon idée qu'il y a peut-être quelque chose quelque part. La vérité est ailleurs. Comme le mardi et le jeudi j'ai kiné, mercredi diététicienne, c'est pour ça. Bonjour, je bosse pas. D'accord, ok. Je suis déjà venu ici. Bah attends, mais je suis déjà totalement déjà venu ici. Qu'est-ce que c'est que cet enfer du cul? I don't understand what is the bullshit. Ah, j'aurais dû répartir, je suis con. Bah oui. Bah bien sûr. C'est vrai qu'il switche pas directement sur les mids à côté. Ah hé. Quelle est bait. Elle le sait, hein. Mais quelle est bait. Ok. Et bim, vous êtes passé niveau 25, incroyable. Parce qu'à la base, je viens totalement d'ici. Ah bah c'est peut-être là qu'il fallait que j'aille en fait. Ok. Très bien, j'ai un truc qui rend de la mana mana. Je dis ouais 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 ouais. Ouais 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 ouais. Ah merde, ils l'ont mis en kit. Oh pauvre bête. C'est tellement horrible dit comme ça. Un kit de mulot. Enfin, heureusement que Kyo va pas dehors, hein. Il me ramènerait des bestioles, mais je pèterais tellement une pile. Ça, pour ça, je suis une chochotte. Je suis vraiment une fille de la ville, hein. Ah, hier, j'ai regardé un... J'ai regardé un truc nul. Enfin, j'ai même pas vraiment regardé. Tu sais, quand vous vous mettez sur YouTube, vous pouvez genre juste rester sur le truc de... la page de présentation, et si vous buguez sur une vidéo, ça la défile, mais vous avez pas le son, rien du tout. J'ai vu un truc d'une menthe religieuse qui bouffe un criquet. Et c'est un truc de ouf, hein. C'est juste un truc de ouf, hein. Il reste rien. Il reste rien. C'est... Pouf. Pouf. Attends, je propose qu'on se déplace cet après-midi. Ah ça y est, elle va vouloir qu'on aille partout là. Ma maman. Alors, ah, j'ose pas. J'ose pas me laisser tomber là-dedans. J'ai peur que ça me ramène. Putain, ça va me ramener tout en bas là. Ah non. Ah, c'est bueno. Ah bah, c'est cool. Et coucou, Adra. Te laisse pas chasser dehors. Ça y est, on est rendu en haut.
C'est l'heure de la sauvegarde. Ah, ou pas. Enfin, le temps est venu d'allumer le phare de Vénus. Il ne reste plus que deux phares à allumer. Non, allumer le phare de Jupiter revient à allumer celui de Mars. C'est vrai, il ne reste donc plus que Jupiter. Et c'est vrai, notre rêve est à portée de main. Mais sors pas, Dracha qui pue, donc il ne ramène rien du tout. Et pourquoi es-tu encore là, Pavel? Je pensais d'avoir dit de rester sur le bateau. J'ai déjà envoyé Lina et les autres au port d'Ijima. Alors pourquoi es-tu revenu? Parce que je dois tenir une promesse. Une promesse? Ah, Sylia. Oui, Sylia. Pourquoi ne l'avez-vous pas libérée? Et vous avez promis de la libérer une fois que vous seriez dans le phare de Vénus. Et c'est ce qui t'amène ici? Vous avez promis de ne pas mêler de ne pas mêler à cette histoire qui que ce soit d'autre. Et Sylia est spéciale. Bien sûr. Sylia est une mystique spéciale? Vous avez appris quelque chose dans les deux premiers phares? Quoi donc? Pour entrer dans chaque phare, il vous fallait un mystique de chaque clan. Et maintenant, nous avons des mystiques de terre, eau et feu, mais pas d'air. Ça semble être le cas. Nous avons besoin de Sylia pour entrer dans le phare de Jupiter, non? Je suis désolée, Pavel, mais nous ne pouvions pas entrer sans un mystique de l'air. Dans ce cas, je comprends pourquoi vous n'avez pas libéré Sylia. On dirait que toi aussi, tu as appris quelque chose. Et si c'est tout, alors tu devrais rejoindre les autres, Pavel. Non. Je ne peux pas laisser Sylia derrière. Sylia va venir au navire avec moi. De quoi tu parles, Pavel? Nous ne savons pas ce qui se passera quand vous aurez allumé le phare. Je ne laisserai pas Sylia prendre un tel risque. Nous t'avons dit qu'on protégerait Sylia. Et coucou Eric, comment que ça va? Tu ne nous fais pas confiance? Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais prudence et mère de sûreté. Ne nous dis pas quoi faire, Pavel. Et tu n'emmèneras pas Sylia. Et pourquoi? Quoi? Vous ne me faites pas confiance? Comment le pourrait-on alors que tu viens de demander qu'on libère Sylia? Si nous t'avions fait confiance, et Sylia serait libre maintenant. Viens avec moi, Sylia. Je te protégerai. Es-tu sûr de vouloir faire cela? Même s'il faudra nous vaincre? Il ne nous aurait pas défiés s'il n'avait pas un esprit combatif. Et s'il faut le faire pour protéger Sylia, alors je le ferai. Tu as vu ce que nous pouvons faire, et tu sais que tu ne nous arrêteras pas. Ah non, non plus, Adra. Ah non, non, je vais habiter en ville, hein. Il va pas aller dehors se promener sur le bitume et sur la route, c'est hors de question. Et comment pourrait-on protéger Sylia quand tu n'arrives pas à te protéger toi-même? Cette attitude rebelle est la raison même pour laquelle nous ne t'avons jamais laissé combattre. Ne t'a-t-on pas donné suffisamment de raisons de nous craindre? Tu n'es pas un guerrier, Pavel. Et comment peux-tu espérer avoir la moindre chance contre nous? C'est ta dernière question. Et montre-nous ce que tu sais faire. On dirait qu'ils vont se disputer pour Sylia. Il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. On dirait que Salamander et Phonexia ne font plus confiance à Pavel. Nous avons bien une belle occasion. C'est notre seule chance de les empêcher d'allumer le phare. Il n'y a pas un moment à perdre. Allons-y! Sauvegarde. Oui. C'est parti. Je suis full life? Pas du tout. Je peux être full life? Passe d'un appartement exactement, sauf que mon deuxième appartement de ville il va être à la campagne, enfin plus à la campagne quoi. C'est une ville à la campagne en fait, mais qui fait à peu près la même superficie que celle dans laquelle je suis. Je veux pas être dans un petit blédouille. Je suis une fille de la street. Oh putain, mais j'en ai marre de ces poils de chat sur mon micro, ça me chatouille le nez dès que je parle, c'est un scandale.
Vlad. Alors, vous êtes venu nous arrêter? Et vois à quoi ta défiance nous amenait, Pavel. Je n'ai pas besoin de ton aide, Vlad. J'étais sur le point de régler mes comptes avec Salamander et Phoenixia. Regarde! Ensuite, nous te montrerons le vrai pouvoir de la lumière du phare. Mais Cilia n'a rien à voir avec cela. Libère Cilia! Et silence! Tu ferais bien d'être discret. Pavel, ou Cilia, et toi, en pâtirez. Et si quoi que ce soit arrive à Cilia, nous n'aurons pas tenu notre promesse envers Giorgio. Nous ne vous permettons pas de toucher un seul cheveu de Cilia et de Pavel. Oh oh! Vous vous inquiétez aussi pour Cilia? Ne vous inquiétez pas. Nous ne lui ferons pas de mal si vous faites ce qu'on vous demande. Que fais-tu, Salamander? Laisse-moi m'en occuper. Et Cilia? Et tu te souviens du bâton lié à Hesperia? Le bâton d'Hesperia? Le bâton de... devrait être emmené au phare de Jupiter. Oui. Nos poursuivants ont un bâton. Est-ce celui-ci? Et Cilia, reste où tu es. Tu peux le faire d'ici. Alors, Cilia? Cilia? Peut-être. Peut-être? Peut-être quoi? Ne lui crie pas dessus. Nous ne crions pas, nous voulons une réponse. Alors, Cilia? Leurs esprits sont voilés. Je ne vois pas clairement. Je pense que c'est le bon. Et c'est inutile de faire recommencer. Alors que faire? Et vous savez ce que vous allez faire pour que Cilia ne soit pas blessée? Vous êtes plus malin que je le pensais, si vous avez déjà compris. Si vous donnez le bâton au chaman, tout se passera bien, ok? Non. Il veut le bâton chaman, je le donnerai si c'est pour sauver Cilia. Quoi? Mais Ahmed te l'a donné, Yvan. Tu te préoccupes donc pas du sort de Cilia? Et coucou Zoro! Comment que ça va-t-il bien? Alors, tu vas nous donner le bâton? Eh bien joué, Salamander. Et nous avons enfin le bâton chaman. Et va le chercher, Pavel. Pourquoi moi? Pour nous prouver ta loyauté? Allez, Pavel! Vlad... Ah oui, il donne le bâton chaman. Et que dois-je faire du bâton? Mets-le en lieu sûr. Où crois-tu aller, Cilia? Nous avons donné le bâton chaman. Libérez Cilia! Que veux-tu dire? Tu as dit que tu libérerais Cilia en échange du bâton. C'était tes conditions? Nous vous avons donné le bâton, alors libérez Cilia! Vous avez du mal comprendre. J'ai dit que tout se passerait bien. Je n'ai jamais dit qu'on laisserait Cilia partir. Tu ne respectes pas notre accord. Désolé si tu n'as pas compris ce qu'a dit Salamander. De plus, si nous avions libéré Cilia, elle aurait été bien embêtée. Que veux-tu dire? Et Cilia ne peut pas rentrer seule à Livello. Que veux-tu dire? Nous allons ramener Cilia. Oh non. C'est ça. Vous ne rentrerez pas. Et vous êtes fini. Et pardon. Et silence. Et vous n'irez nulle part. Montre-moi ce que tu sais faire, fiston. Tu vas regretter tes paroles. Et préparez-vous à subir une expérience chaleureuse. C'est avec une mystique du feu. Très bien. Ah, ils sont deux en plus cette fois. Allez, allez, allez. Bim. Alors. On va booster Def. On va faire une barrière. On va booster la résiste. On va essayer de violer Jacqueline. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais on va essayer. Ok, c'est que sur deux. Dans sa face. Ah non, mais là... On est contre les gros méchants.
c'est les méchants. Ok. On a augmenté la défense à don. Après la défense, qu'est-ce qu'on fait? On va booster l'attaque, of course. On va entraver l'agilité des ennemis. On va booster l'agilité du groupe. Et on va rendre des PV au groupe. Grave. Moi je kiffe. Il est trop bien. Juste franchement, ce jeu est trop bien. Ah, il a Xad very beaucoup. Ok. Un petit heal de groupe. Paf, paf, paf. Ni vu ni connu, je t'embrouille. On n'est pas au fou. Non mais vous verrez que c'est utile quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'incroyable? Paralyse, rend les PP au groupe. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais la duper. Je te dupe, Jacqueline. On va faire du silex. On va faire pour attaquer deux fois le tour suivant. Et je vais diminuer l'attaque de... Ghastly ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les méchants pas gentils, ou les méchants qui sont passés pour des méchants mais qu'en fait ils sont... Ah bah écoute, pour l'instant je sais pas. Pour l'instant c'est des méchants méchants. Est-ce qu'au final, à la fin, on va se rendre compte que les méchants, en fait, ils sont pas si méchants ? C'est une excellente question. Je ne puis point vous dire pour le moment. Alors, on va bourrasquer. Ah oui, c'est vrai que du coup, on peut faire deux trucs. On va bourrasquer et tornader. Ah non, attends. Il faut qu'elle me fasse... faut qu'elle me fasse une petite prière. Ah putain! Ah mais je l'ai plus du coup. Ah mais quel enfer du cul. Quel enfer du cul. Vas-y, elle va soigner là. Premier pilote F1 va gagner. Ok. Tornade. Et brûle. J'ai beau être matinal. Allez, c'est parti. Attention. Attention, attention. Météore. Attention, attention. Apocalypse. Attention, attention. Putain, je sais jamais si c'est le foncé ou c'est le foncé. Thor. Attention, Anandion. Voilà. Ah, il est normand, d'accord. Bah très bien, je ne regarde pas la Formule 1, donc je ne savais pas. Et paf! Ouh, 583 PV. Ça, c'est pas mal, ça. Ça semble pas mal, quand même. Ça, c'est Thor. Et tiens, prends des seins. 455 PV. Bon, en vrai, je sais pas si c'est une bonne idée de tout claquer. Je pense que la Jacqueline, la Sophia, ça aurait peut-être été pertinent que j'utilise pas du tout les siens et que je la laisse healer. On verra bien, mais 604. Putain, mais c'est mieux en mieux. Si je fail, je ferai ça. Limité. Ah, je sais pas, Zo. Ça fait 15 fois hein, qu'on aurait dû dégommer totalement la surface de la planète. Hein, bien ce qui me semblait. C'eût été compliqué. Coucou Lithium.
Bah écoute, on vient de commencer, mais c'est ce que je disais, je pense que je me suis mal... Je pense que je me suis mal démerdé. Ouais, je pense que Yvan, ça va être... Elle sacrifice. Tac. Faut que j'attende que les gens vous reviennent. En fait, j'ai utilisé les jeans de tout le monde, mais je pense que ouais, il va me le buter aussi. Lui. Ah non, oh, il se soigne, bâtard. Je pense que le plus opti, ça aurait été de laisser la Jacqueline en dehors de ça, histoire qu'elle puisse continuer à healer. Chose que je n'ai pas fait. Bon, je vais recaler tout le monde bien. En vrai, c'est pas gravissime. Sauf si elle me le bute en prunes. Parce que... Hop. Intimération. Ok. On a tout qui est rénite. Hop. On va claquer une petite eau de jouvence. Merde. Et on va se repimper. Tac. Ah. Ah. Au secours. Ah, ça peut être un peu compliqué. Ok. Au secours. On va boost death. Je vais me caler un soin, j'ai vraiment peur de décéder. Quoique j'ai pas un petit... Ah, j'ai pas récupéré mon île de zone. Ah, ça c'est tellement triste. C'est tellement triste. On va essayer comme ça. Ah! Ah! Don't kill me! Ah bon, normalement, il passe sur les deux là qui sont pas bien. Quoi? C'est tout? Qu'est-ce que c'est que cet enfer du cul? Ok, la défense. Boost l'attaque, on peut faire ça. Entrave l'agilité, on peut faire ça. Oh, putain! Sinon tout va bien, Lithium. Et t'inquiète, t'as pas raté grand chose, hein. On s'est juste dépatouillé des quelques énigmes qui restaient. Tout va bien. Alors. Je te dupe. Ça va, ça va. Tout y va bene. Je vais essayer de focus la Jacquelinette. Là. Tac. Je peux frapper deux fois avec lui.
Bon, est-ce qu'elle peut faire... Ah, voilà. C'est ça qu'elle voulait. C'est ça que je voulais. Double tornade. Ah, elle le fait pas, d'accord. Ah, oh. Merci, merci lui, là. Ah, mais j'en ai aucune idée, Eric. Je ne sais pas. J'ai jamais fait le jeu. Je ne sais absolument pas où j'en suis. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Ok, on a une déjà clean. Ça, c'est fait. La Jacqueline. Bon, je peux peut-être lui faire une force 3. Ça suffira peut-être à lui. Hein. Tiamat. Cybèle. Tac. Et glacier. Allez. On dit qu'on fait ça. Ah, c'est ça, regarder, Rayleigh. Saumon shampoo. Alors, je connais Samouraï shampoo. Pas saumon shampoo. Mais je ne sais pas, Eric. Je ne connais pas le jeu. Comment veux-tu savoir où j'en suis de la fin? Enfin. Je sais pas. Mais voilà, mais c'était aise. Yvan, niveau 25. Yes. Ouais, first try, ouais. On a réussi. On les a battus. Eh bien, Cilia, allons-y. Pavel, mais que fais-tu? Je ne peux pas abandonner Cilia. Quoi? Mais on vient de te sauver. Je ne vous ai jamais demandé d'aide. Pavel, tu n'es pas l'un d'entre eux. Tu es libre de partir. Alors pourquoi fais-tu ça? Et les quatre phares doivent être allumés. Tu veux allumer les phares? Mais c'est ridicule. Je savais que tu dirais ça, mais je ne changerai pas d'avis. Et s'il veut allumer les phares, ça veut dire que c'est notre ennemi, pas vrai? Fais ce que tu veux, Vlad. Mais si tu essayes de m'arrêter, je me battrai. J'espère que vous ne pensez pas vous être débarrassé si facilement de nous. Bah, vous arrivez à peine à tenir sur vos pieds. Pour l'instant. Tout ira bien dès que nous aurons fait ça. Ah bah voilà. Oh non! Il a lancé l'étoile élémentaire dans le phare. Et non! On ne les a pas empêchés d'allumer le phare. Ce n'est pas tout. L'énergie du phare va nous rendre de force. Comment est-ce possible? Vénus est l'élément de la Terre, non? Alors pourquoi rendre leur force à des mystiques du feu? Oh putain. Oscur? Ah, ça s'était bien passé, finalement, non? Le feu et la Terre partagent une relation symbiotique. Et cette lumière nous rendra notre synergie. Nous vous combattrons autant de fois qu'il le faudra. Nous ne perdrons pas. Ouais, t'engages peut-être pas, Jacqueline, hein. Et vous nous avez peut-être battus. Et mais voilà la véritable puissance du clan du Feu du Nord. Le clan du Feu du Nord? Et voici la vraie puissance des contrées sauvages du Nord. Ah, laissez tomber, on vous a battu une fois, on pourra recommencer. Allez, Pavel, pars avec Cilia. Je peux y aller? Et nous n'aurons peut-être plus la force de protéger Cilia après cela. Tu dois emmener Cilia sur le navire à tout prix. Qu'attends-tu? Vas-y! Non, je ne peux pas vous laisser les combattre seuls. Tu ne veux pas perdre face à Vlad? Je me demande si c'est vrai. Quoi? Et tu ne serais pas triste de voir ton ami d'enfance périr face à nous? Et que voulez-vous dire? Je pense que tu essaies de protéger ce mouflet. Vous pensez vraiment que je veux les aider? Et disons que c'est une possibilité. Et toi, Salamandar, es-tu d'accord?
Je ne dirais pas cela, mais... il vaudrait mieux ne rien faire de louche. Eh bien, et je vais emmener Cilia pour vous. Allez, Cilia. Attends, Pavel, je ne te laisserai pas partir. Et Pavel est le cadet de tes soucis en ce moment. Incroyable, il brille. Il est temps que vous appreniez la définition du mot puissance. Leur synergie est en train d'exploser. Il est trop tard pour fuir. Oh non, ils fusionnent. Pardon? Ils se sont réunis en... formation comme vite... Quoi? Au secours? Et à que poète t'es, Bruce? Comment que ça va? Et coucou Frix! Comment que ça va? Ça pue? Et coucou Kunrat! Coucou Mitsu! Ouais, parce que je viens de me battre là. Je viens de me battre, j'ai utilisé toutes mes synergies pour le combat d'avant, j'étais pas prête à ce qu'on. À ce qu'il fusion. J'étais pas prête là. Je. Au secours ? Au secours. J'aurais peut-être dû faire le max. Non. Ok. Je tente des trucs. Je pense qu'elle va rester en full heal. Il me fait extrêmement peur. Ok. Oh. Pardon. Jean-Michel Ivan, au secours. Donc lui, il peut lâcher Météor. Lui, il va nous faire une barrière de terre. Lui, il va nous booster la résiste. Et Jacqueline, tu vas nous faire des souhaits. Au secours, God Save Ivan, s'il vous plaît. Pas sur Ivan, pas sur... J'ai perdu Ivan. Oh, boum, 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 boum. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Gaz létal. Ah, Jarret et Venanté. Vlad et Venanté. Ça, ça pue, ça. Météor! Oscule. Ah bah oui, mais forcément, c'est lui qui leur fait moins de dégâts. Vu qu'il a l'habilité du Fire. Ok, il faut que je les soigne. Au secours. Au secours. Alors, réfléchissement, toi tu vas balancer, ah bah non mais, bon, on va quand même faire ça, éruption, éruptionne, toi, tu vas entraver, toi tu vas booster la résiste, bah, de toute façon en fait on s'en bat les couilles. Ça le faire. Ça t'avait énervé. Bah là le truc c'est que c'est un peu à double tranchant l'utilisation des synergies parce que enfin pas des synergies des djinns parce que mine de rien ça up vachement leur capacité et le fait de les utiliser bah ils passent tu vois Vlad il est passé de 400 kpv à 300 kpv il était presque à 500 du coup au secours juste au secours. Là où d'habitude, le mec il lui fait une pichenette, il perd un quart de sa vie, là il perd direct la moitié, et j'ai mal. Parce que... Ok, quand même 102 l'éruption, ça passe, c'est acceptable. Le problème c'est que je vais pas pouvoir les soigner à ce train-là.
Merci pour tes updates. On va booster la défense du groupe. On va y aller tranquille, mimille. Hein. Tranquille, mimille. Un petit coup de silex. Putain, je pensais vraiment... bloque la synergie. Booste l'attaque du groupe. Vas-y, hein, s'il peut pimper pimp my group. Prends les PV du groupe. Ah mais ça soigne pas. Moi j'aimerais bien pouvoir les soigner là. Tic et tac. On va faire un petit soin. Ok. Je vais pouvoir claquer mon gros ma grosse invoque de terre. Faut pas qu'il t'enchaîne comme il le faisait avec les autres attaques. De quoi ? J'ai pris juste moi. Faut pas qu'il t'enchaîne comme il le faisait avec les autres attaques. J'ai pas compris Mitsu. Oh là là ! Parce qu'il bouge en plus, Oscur. Ah, est-ce que je peux double booster l'attaque du groupe ? Ça peut être sympa. Attention Apocalypse ! Il booste l'agilité. Vas-y, on va boost, on va pimper. Pimp my group ! On va faire un gros heal. Allez, Apocalypse ! Mais encore une fois, normalement, on a réduit la terre à néant. 867 ! Eh, c'est pas mal, quand même. Hein. Je trouve que c'est pas mal, quand même. Allez, on remet tout le monde. Tout va bien. Allez, gaz et létal. Ah, il va m'empoisonner les deux autres. Et bah c'est terrible. C'est terrible. Vas-y, je vais le duper. Je sais pas trop ce que ça fait, dupe. Ouais, c'est ça, c'est Jacqueline et Maurice qui ont fusionné. Putain. Eh, vous devenez pire que moi, hein. Niveau pseudal de merde. J'adore. I like that very beaucoup. Je suis en force 3. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attaque deux fois. Voile la vue. On va lui voiler la vue. Et bien entendu, on va... il est... On va pouvoir lui faire force 4 divan s'il meurt pas. Ah bah il en a même oublié. Ah non, il a deux têtes. Putain, j'avais pas fait gaffe. Okay. C'est bien. Ça pue ça non? Ouh! 17 PV! 17 PV! Ça fait pas beaucoup! Oscur! Je vais balancer un petit Tiamat. Un petit. Non, Thor, c'est pas lui du tout. Thor, c'est pas lui du tout. Paf! Un petit tort, et là va falloir que le heal passe genre très vite. Jacqueline. Ah enfin, très bien. Ah j'aime bien les gens qui attendent. Elle est où la grosse attaque? Qui lui en met plein la gueule. Ah super. Allez, 806. 806.
Mais non, c'est vrai qu'il était... il était poisonouille. Oh, scheiße. Vite, heal-moi. Oh, heal-moi. Ah. Ah, s'il meurt avec Tiamat, rip l'XP divan. Il meurt? Ah bah non. Ouais, j'aurais bien aimé finalement qu'il décède aussi, peut-être. Parce que... Tu peux enchaîner si t'as... Ah ouais? Ah d'accord. Ah d'accord. Ah oui, effectivement. Bad... Bad, bad, bad. What's bad? Je n'ai plus rien. Tiens, je te résurrectionne, Jean-Bobby. Est-ce que tu veux bien revenir parmi nous? Tout va bien. Ok, tout va bien. Reviens, Yvan! Reviens! Pour l'instant... Ça va. Oh putain. Ouf, heureusement que le heal il est passé avant. Heureusement que le heal est passé avant. Au secours! Oh, j'ai chaté là. Oh! Oh! Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais, peut-être qu'un petit boost défense, ça peut être pas mal. Moi, je suis bien au niveau défense là. Moi, je dis oui, oui, oui. Oui, 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 oui. On va lui faire une tornade. Par contre, faut vraiment. Sophia, Sophia, le petit, il est demandé à l'accueil, s'il vous plaît. Oh, merci. Oh, oh putain. Sophia, elle a... Oh. Merci. Ah, merci. Ok. C'est pas fini. On en force 1 là, c'est nul. On va booster l'attaque. On va lui entraver l'agilité. Ça lui fera les pieds. Non, 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 c'est pas. Quoi? C'est le boss final? Non mais le jeu n'est pas fini après. Comme ça c'est le boss final. Quoi? Tu viens de m'enlever toute ma hype, Mitsu. Ma hype, elle est... Tu l'as pris là? Tu l'as mis dans les chiottes là, tu vois? Tu m'as coupé ma hype. J'ai envie de pleurer. Comment ça c'est le boss de fin? Mais non. Mais j'ai pas envie. Sophia! Excusez-moi, Sophia! Ah, oh, merci, merci Sophia. Oh. Mais non, mais non, personne qui mérite un Théo pour ça, y a pas de... Eh, ça va, c'est pas le bagne non plus, hein, calmez-vous. Ok. Il m'a pas fait son truc. Le go, mais Théo, je l'accepte. Ah non, je suis occupée. Je veux pas de Théo. Juste faites gaffe. C'est tout. Voilà. C'est Si tu fais une bêtise, on te met la petite calotte sur le coin du nez,
Et puis tu recommences plus, puis c'est tout. C'est tout, y a pas de problème. Puis on va le faire attaquer deux fois s'il meurt pas. Par contre, faudrait qu'un jour le combat il s'arrête parce qu'il y a un moment Sophia elle va plus avoir de mana et j'annonce le jour où Sophia elle a plus de mana, on est mort. Ça par contre, c'est définitif. Et je fais une capoute. Ah! Regardez comme je suis full vie! Chef! Ah, ah, pardon! Non mais quoi? Ils vont s'écrouler! Comment ça morsure? Ah putain! Oh non mais attends. Attends. J'avais pas lu morsure. J'avais lu mort. Sûr. You understand? Vas-y, je tente le force 3. Hein. Je tente le force 3, les gars. Allez. De toute façon, là, faut qu'il meure. Je vais pas. Ah, est-ce que je regrette instantanément de pas avoir poussé à force 4? Ah, 603. Putain, mais meurs. Meurs, charogne! Oh, j'adore l'invocation Tiamat. Je trouve qu'il est trop bien. Salut Veracruz. Comment que ça va? Oh, ça y est, il est mort. Oui, il est mort. Désolé pour ton XP, Yvan. Je pique une capoute. Vas-y, pète-lui les dents. Et comment nous avons pu perdre? Nous vous sommes supérieurs dans tous les domaines. Et malgré tout, nous avons perdu. Oh bah, mais il tombe dans le trou. C'est fait, nous avons gagné. Nous les avons vaincus, mais avons-nous vraiment gagné? Bah ouais. Même si nous n'avons pas réussi à les empêcher d'allumer le phare. De quoi parlez-vous? Nous avons fait tout notre possible. Il est vrai que nous n'avons pas pu sauver le phare, mais... nous les avons vaincus. Vous les avez bien vus tomber dans le gouffre. Et donc, nous n'avons plus rien à redouter et que d'autres phares soient allumés. Mais Pavel est parti et il a emmené Cilia. Mais qu'est-ce que vous avez? Vlad, que regardes-tu? Ils sont pas partis? Pavel! Vous les avez achevés? Personne d'autre que moi ne connaissait leur niveau. Si vous les avez vaincus... Je ne fais pas le poids, Vlad. Je vais y aller. Viens, Cilia. Attends, Pavel! Pourquoi t'enfuis-tu? Ils sont tombés dans le phare, tout est fini. Pauvre idiot. Et si vous pensez que c'est terminé, vous allez tomber de haut. Et si tu veux allumer les autres phares, alors il te faut... Les étoiles élémentaires, mais nous les avons. C'est fini, Pavel. Tu n'as plus à allumer les phares. Si, je le dois, sinon... Qu'arrivera-t-il? Ça ne sert à rien d'en parler. Vous verrez bien. Si tu ne libères pas Cilia, on va devoir la reprendre de force. Ouais, non mais c'est bon, là, il n'y a plus de mana. Hein. Faut arrêter de se battre, les gars, s'il vous plaît. Oh là! Le phare? Et Vlad, ils sont trop loin. Nous ne pourrons pas atteindre Pavel. Ce n'est pas tout. De la lumière vient d'en bas. Oula. Et non, Cilia. Oh merde. Tiens bon, Cilia, attrape ma main. Je n'y arrive pas. Tu dois y arriver, sinon... Regarde en bas. Le phare est en train de s'effondrer. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce pour protéger le phare de Vénus? Je glisse.
Je ne pourrai plus tenir très longtemps. Non, ne lâche pas, tu ne dois pas. Au revoir, Pavel. Et merci. Ah merde. Petit ange parti trop tôt. Cilia, non, ne te laisse pas mourir. Oh putain, quoi? Pardon? Pardon? Eh, c'est pas dans une piscine qui saute, les gars. Je m'attendais pas à ce qu'il jump. Oh la vache. Non mais c'est ça, le saut olympique. One point. Cilia est tombée après cette dernière secousse. Pavel n'a pas plongé dans la mer pour la sauver, non? Je n'arrive pas à y croire. Quel idiot. Je n'arrive pas à croire et qu'il dit qu'il va allumer les autres phares. On sait pas, Frix. Nous aurions dû le combattre si ça n'était pas arrivé. Mais il s'est sacrifié pour sauver Cilia. Il n'est pas comme ça, la Mandar. Et Vlad, il va falloir qu'on décide quoi faire maintenant. Que peut-on faire? Elina et les autres à Dejima. Ah ouais, j'avais complètement oublié Lina. Et Vlad, écoute, nous devons trouver Lina. Jarry, c'est quand même un petit bâtard, hein. Lina et Telos, là, on est un peu partis pour les chercher à la base. Enfin, Vlad a enfin refrit ses esprits. Ne devrions-nous pas nous dépêcher de sauver Lina? Et les autres? Mais of course. Il était temps que tu commences à être d'accord avec moi. Vlad, tu devrais dire à Lina pour Pavel. Elle aura de la peine, mais tu la consoleras. Qu'est-ce qu'il y a, Jarry? Je me demandais, comment sommes-nous censés descendre? Tu marques un point. Ça risque d'être très difficile. Ah, pardon. D'accord. Bah, tout va bien, en fait. Tout est redevenu normal. C'est étrange. Que s'est-il passé ici? Nous n'aurons jamais la réponse. Au moins, nous pouvons chercher Lina et les autres. Eh bien, allons-y. Vlad, il est temps de chercher Lina. Ah d'accord, ça va nous faire descendre. Mais malgré de longues recherches, Lina était introuvable. Alors, vous avez trouvé Cilia? Non, pas le moindre trace. La mer est trop agitée pour qu'on la cherche. Et elle n'est pas sur Terre. Et Tolby est responsable du destin de Cilia. Aucune excuse ne pourrait refléter la peine que je ressens, Giorgio. Et tout ce que nous pouvons faire pour Cilia, c'est espérer. Mais qu'est-il arrivé à Lina et aux autres? Rien de neuf, nous avons cherché partout, mais ils sont introuvables. Le sol s'est fendu suite à la déflagration du phare et le navire. On dirait que tout à Idejima a été emporté par la mer. Idejima a été submergé? Incroyable! Alors la caverne aussi a dû être envahie par les flots. Mais nous pensons que Lina et les autres sont vivants. Ils ont dû être emportés par les flots. Nous avons décidé de continuer à chercher Lina. Et n'est-ce pas, Vlad? Ne t'inquiète pas pour Cilia. Et j'espère que vous la retrouverez vite. Nous retrouverons Cilia. Cilia a survécu à des situations autrement plus dangereuses. Mais cette fois, je pense que c'était un vrai miracle. Qui aurait pu imaginer que la mer monterait jusqu'au phare alors qu'elle tombait? Est-ce vraiment un miracle? Tu penses que c'était juste de la chance? Disons que c'était une coïncidence, voilà tout.
Et rien n'est coïncidence avec cet enfant. Alors, tu crois que Cilia a survécu ? Oui, j'en suis sûre. Juste parce que Cilia était une mystique ? Une mystique ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien... Et c'est quelqu'un qui a le même genre de pouvoir qu'eux. Et Vlad, tes amis et toi êtes vraiment incroyables. Et vous avez pu atteindre les ruines et entrer dans le phare de Vénus ? Mais Cilia était différente, elle ne pouvait pas entrer dans les ruines. Et c'est juste que... C'est juste que les habitudes de Cilia sont... les habiletés de Cilia sont différentes des leurs. Et Giorgio n'arrive pas à comprendre cela. Jarre, ne sois pas si impoli. Et malheureusement, nous n'avons pas le temps de parler, nous devons partir. Et c'est vrai, je ne voulais pas vous retenir. Nous nous sommes mal exprimés. Et nous voulions dire qu'alors que nous parlons, Lina et les autres sont... Hey Cucu, Tilly, comment ça va, brother ? Perdu en pleine mer. Je comprends. Et la mer est agitée depuis que le phare a été allumé. Soyez prudents. Vous aussi. Adieu. À bientôt. Merci beaucoup. J'espère que vous allez retrouver Cilia. Ok. Oh putain. Attendez, moi, hors de la maison de Giorgio, je voudrais vous parler. Sauvegarde, j'ai un coup de tel à passer, je suis désolée. J'ai ma mère qui arrête pas de me harceler de textos depuis tout à l'heure. Je pense qu'elle a enfin réussi à avoir ma copro au téléphone. J'arrive tout de suite, excusez-moi.
heureux. Et coucou, Vera. Coucou, le chat, je te vois. Coucou. Oui, il fait de deux. Heureux. Désolé, non, mais c'est parce que j'ai peut-être un acheteur pour l'appartement, mais il lui fallait absolument un mail de ma copro que j'ai pas réussi à avoir ce matin, donc. D'ailleurs. Peut-être que mon téléphone va sonner, je suis désolée, auquel cas faudra que je réponde, mais ce sera peut-être la nana du coup qui est en train de vendre mon appart pour me dire si c'est bon ou quoi. Bref, ce serait une bonne nouvelle si ça se vendait. Où vas-tu, Vlad? Tu as oublié qu'Iodem nous a demandé de l'attendre? Il va falloir travailler la mémoire, hein. Eh mais c'est pénible. Et nous pouvons retarder un petit peu notre départ. Attendons un peu. Merci de m'avoir attendu. Comme vous devez l'avoir deviné, je dois vous parler de Lemuria. Oui, l'île des anciens. Ah, on va pouvoir prendre le bataille qu'on pouvait pas prendre la dernière fois, je pense. Et quand vous n'avez... Oh putain. Quand vous n'avez pas trouvé Lina, vous êtes rentré au phare de Vénus. Ouais, et les fondations du phare étaient submergées. Nous ne pouvions pas sortir. Et c'est là que vous avez regardé la mer, comme vous l'avez promis à Bali. Oui. Et nous avons vu cette zone entourée de brume. Je me souviens que Babi disait que Lemuria était couverte par les brumes. Je ne suis pas certain, mais je commence à penser que c'était Lemuria. Dans ce cas, la vie de Babi pourrait être sauvée? Oui, oui. Je suppose qu'on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Eh bien, c'est décidé. Je m'occupe des préparatifs. Mais nous devons d'abord trouver Lina. Justement, l'autre raison pour laquelle je voulais vous voir, c'est pour vous donner ceci. Ah, la lorbe. Ça y est, on va pouvoir prendre le bataille. Yatta. Mais n'est-ce pas... Vous en aurez besoin pour que le navire de Babi appareille. Je pensais que... Oh, mais non, mais... Putain, ma mère, c'est une boule de nerfs ambulante, là, avec la vente de l'appart. C'est incroyable. Je pensais que le navire qu'on a vu à Hidejima était celui de Babi. Et son navire est ici, à Laliviro. Alors, le navire qu'on a vu à la péninsule était celui de Salamandar? Peut-être, mais nous n'avons aucun moyen de le savoir pour le moment. Oui, ils sont partis. Mais maintenant, nous pouvons prendre le navire des anciens. Il devrait nous être fort utile pour trouver Lina. Et Babi a dit que le navire des anciens était totalement incroyable. Il facilitera grandement vos recherches pour trouver Lina. Nous apprécions. Mais je veux que vous trouviez Lemuria au plus vite possible. Nous avons donné notre parole à Babi et nous n'échouerons pas. Eh bah yes. Où est-ce que c'est qu'on vote pour que tu joues à FF6? Ah bah j'ai d'autres jeux à faire, Eric, c'est pas comme ça que ça marche. Là, Après, on a encore quelques jeux à faire. FF6, je le mettrai probablement dans le prochain event. On verra bien. On verra bien. À cause de toi, j'ai envie de me refaire Sky of Arpa... Hein? Voilà.
Trop de RPG dans la vie. Putain, mais j'en ai déjà entendu parler de Sky of Arcadia. Lui aussi, faut que je l'ajoute à la liste des jeux à faire. Attends, je vais le noter. Est-ce que je l'ai noté déjà, Sky of Arcadia? Attends, j'ai quoi là? La saga des Kingdom Hearts, la saga des FF, Dragon Quest, Tale of the Witcher. Ouais, je l'ai. J'ai Doggarompa, Grandia 1 et 2, Advance War, les Suikoden, Chrono Trigger, FF Tactics Avengers 2, Dark Cloud, Dark Chronicle, Chrono Cross, Sky of Arcadia, Is, Wild Arm, Phantasia Star, Disgaea 4, Fire Emblem, FF7 Remake, Edge of Eternity, Golden Sun 2 et 3, les moult opus de Dragon Quest sur la DS et la saga des Bravely Default qui est absolument incroyable. Des bisous, Rayleigh. Oui, bah si tu vas dire un bonjour à Chini, tu vas pas te coucher. Arrête de mytho. On te connaît, Rayleigh. En tout cas, gros bisous à toi. C'est un des meilleurs RPG de la vie. Sky of Arcadia, c'est Kofi, je crois, qui est absolument fan de ce jeu. Le navire est en péripétie de la ville. Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Et bon voyage. Et trouver les Lemuria au plus vite. Yes. Et cool, Vlad. On va enfin pouvoir voir l'océan. On va à la mer. Il est grand temps de partir. Ouais, c'est ça, Rayleigh. C'est ça. Je suis sûre, je finis à 14h. Je te vois encore sur son live si elle a eu encore. Arrêtez de michetonner. On vous connaît. Tac. Coquillette, ouais, ça m'étonne pas qu'elle les refait aussi. Mais il me semble que c'est... Je crois que c'est Kofi qu'on avait parlé quand on avait fait le truc sur les RPG de Sky of Arcadia. Je sais plus. Quoi, Chrono Trigger, mais arrête tout de suite. Et passe à la vraie vie. Ah mais non, mais... Il est trop bien ce jeu, je vais pas... Je vais pas arrêter pour un autre jeu. Celui-là est vraiment trop bien. Mais oui, Chrono Trigger aussi, faut que je le fasse. Et j'ai entendu Advance War, ouais. Je vote et mon vote vaut 1 million. Ah bah d'accord. Et oui, mais si vous voulez, dans le prochain event, on mettra Sky of Arcadia. FF6. Mais pourquoi je peux pas... Mais elle veut pas se bouger le cul, elle. Eh, coucou Chaltier. Comment je fais pour aller... Attendez, mais... Mais casse-toi, Jacqueline! C'est pas possible, ça! Qu'elle est chiante! Mais va-t'en, je suis bloquée! Mais, M-Body Block! Merci. Où vas-tu? Nous devrions pas nous rendre au navire de Babu? Il faut qu'on retourne au ponton. Quoi? Y'a Chakipu qui a dit, je l'ai entendu. Il fait quoi? Alors attends. On va vendre les quelques conneries qu'on a sur nous déjà. Ça oui. Paf. J'en veux pas de leur truc molly. Tac. Ça, au final, je n'en ai pas besoin. Non. Mais... Oui. 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 Attendez, on va se refaire une mocheté. En haut à gauche du bled. Ok. Alors, acheter. Est-ce qu'il y a des trucs incroyables? Oh la vache! Oh putain, mais attends, mais il n'y a jamais autant de trucs là-dedans! Au secours! Ok.
77 000, 9 000. Incroyable. Allez. Je la pimpe. Oh mais non, mais arrêtez avec vos tickets. Il va encore falloir que je retourne à Babaloued-les-Bains pour dépenser des tickets. Comment ça va, Cholotir? Mais ouais, ouais, Sky of Arcadia, on le fera. Mais il y a tellement de jeux, les gars, qu'il faut qu'on fasse. Là, c'est comme je vous disais. Pour l'instant, le programme, avant le prochain event où on décidera des prochains jeux qu'on fera, il nous reste encore Chain of Memory. Il nous reste le premier Mario Paper là sur la GameCube. Si je dis pas de bêtises, c'est GameCube. Il nous reste le Pokémon Nuzlocke. Ça, je pense qu'on le fera le soir, le Pokémon Nuzlocke. Enfin, j'en sais rien. Le Pokémon Nuzlocke sur le fan game. La semaine spéciale Super NES, mais ça je le ferai, je la ferai quand on aura fini Golden Sun et quand on aura fini Zelda. Je pense qu'on fera une petite pause pour faire ça. Et après on pourra faire autre chose. Il y a quand même encore quelques trucs à faire quoi. Vas-y, je vais le donner à Jarry. Tac. Vas-y, moi je vais pimper ma Jacqueline, je crois. Yes, brasse les seins. Je gagne. Ouais, non, je veux pas perdre de l'attaque. I don't want to perdest to attack. De chance. Tiens. Bah là, au niveau des FF, ce qui reste à faire, on n'a pas fait 1, 2, 4, 2, 5, 6, 13, 13, 2, Light Knight Return. Et le 12 aussi. Après, tout le reste, on l'a fait. Donc, on reste encore quelques trucs à faire. Après c'est pareil, si on part sur les Dragon Quest, on aura de quoi faire aussi. Alors, au niveau de la tête-tête... Si on peut changer ça... Oh, mais non. Non. Merde. Ah, elle est là. Merde. Je me suis trompée. Au secours. Jarry. Tac. Donner. Tac. Oui. Merci. Je voudrais vendre. Elle. Yes. Alors, on avait la tête-tête. Je sais pas Eric, mais c'est bizarre. Vraiment. C'est... malaisant. Tiers. Okay. Ok, donc de ce côté-là, c'est bon. Maintenant, les armes. Et après, on se casse. Tu m'as dit c'était où ? En haut à gauche du bled. Ok. Oh la vache! Attends, mais ils ont trop de trucs! Oscur! Lance-noyade, drimpsy. Ok. La vache! Putain, le up que ça fait! Elle a le prix de l'arme aussi, hein. Ah, je lui file les tickets. Scheisse. Scheisse shit. Alors, Drampsy. Non. Nyon. Attends, qui je l'ai filé? Mais c'est à lui que je l'ai donné. Merde. Nyon. Alors. Au niveau des armes.
239. Qui dit mieux ? Non. Ah, 244. J'aime bien avec la masse. Merci. Yes. Vas-y, je vais filer à deux autres. Hop, très bien. Parfait. On est tout beau. On est tout beau, on est tout pimpé. Tag donné. Merde. Je vais trop vite. Parfait. Donc là, hop. On va juste... Waouh, 1000 curly. Et t'as bouffé tes 1000 curly pour ça? Mignon. Faut garder tes points. Je m'en fous. Ah super. Ah super. Ok, alors, en haut à gauche. En haut à gauche. Ah, on m'a dit de vous laisser passer. La porte est ouverte, d'accord. Ok. C'est une très jolie piscine. Il est où mon batal? Il est où mon batal? Mais écoute, si tu cliques dessus, tu verras. En gros, le maître de cérémonie, c'est pendant une soirée. Le maître des cérémonies décide du jeu que je fais, peu importe quel jeu je le fais. Pendant une soirée. En espérant que les gens me fassent pas faire des jeux d'horreur totalement au secours. Mais juste, voilà. C'est le maître de cérémonie qui décide. Et moi, je ferme ma gueule et je joue. Et puis, c'est tout. Il a l'air extrêmement stylé, ce battle. On dirait qu'il est temps de quitter Gondowan. Ça fait bizarre. Nous voyageons depuis si longtemps. Pourtant, on dirait que ce n'est que le début. Tant de choses nous sont arrivées. Eh mais notre voyage touchera à son terme quand nous aurons trouvé Lina, pas vrai? La fin d'un voyage, le début d'un autre, y a pas moyen. Tu n'as quand même pas oublié, Yare. Et notre promesse à Babi. Oh, Lemuria. Je me demande à quoi ressemble Lemuria. Nous devrions trouver Lina avant d'aller à Lemuria, non? Ouais, c'est important. Et quoi qu'il en soit, ce sera notre premier voyage sur l'océan. Alors c'est ça l'océan? Et que Telos voulait me montrer? La mer est agitée. Tu penses qu'on s'en sortira? Et c'est un navire lémurien, tout irait bien. Bien, alors on y va alors. La mer. Lina nous attend. Ah mais c'est ça, Lithium. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est des points de curly. Parce que quand t'as pas d'amis, prends un curly. Ici, il y a plein de curly si tu cherches des amis. Viens chez Kaori. Quoi ? It's a joke? Au secours! Mais non mais... Camoulox? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je vous laisse pendant le générique, on m'appelle. Oh putain, je vais bouder là. Qu'est-ce que c'est que cette fin de merde?
Oh, ça me gonfle cette histoire. Je vais pas y arriver à le vendre cet appart. C'est... Ça m'énerve. Bon, par contre, Pourquoi c'est un... Pourquoi cette fin? Pourquoi? Excusez-moi, je suis un peu confusée là. Ah mais c'est pas fini? Mais c'est fini ou c'est pas fini? Attends, je comprends rien. Telos, combien de temps penses-tu que cet îlot va dériver? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah! Tu ne sers pas à grand-chose. Hé, j'ai faim! Comment peux-tu penser à manger? Je me demande ce qui est arrivé à mon frère. Je t'en suis pas sûre, mais on dirait qu'il a réussi à allumer le phare. Je le savais déjà. Et c'est pour ça qu'on est en train de dériver. Tu es de mauvais poil aujourd'hui, Lina? Bah, je suppose que tu te fais du souci pour Pavel. Vlad et ses amis ne devraient pas être bien loin. Ils sont sans doute... Il me manque, Vlad, Pavel. Ah mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette Jacqueline là, je l'avais oubliée, elle. Et wesh, Orga. Ouais, j'ai fait le phare de Vénus, ouais. J'aimerais te montrer quelque chose. Par ici. Non mais attends, la suite c'est vraiment dans le 2 là? Parce que là, la quête est pas finie. Oh, Pavel! Pavel, Cilia! Ils sont en vie! Ils sont vivants! Qu'est-ce donc? Alex, que s'est-il passé? Ouais, j'ai pété le dragon. Non mais ouais, mais putain, m'a suivre! Mais c'est pas possible! Mais y'a aucun jeu qui finit comme ça! Putain, j'ai l'impression d'être sur Netflix à la fin d'un anime où ça me dit la suite dans la saison 2. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser. Je suis dégoûtée. Je suis dég. Putain, mais quel enfer. Mignon. Mignon. Mais non, mais c'est ça. C'est ça, mais attends! Au début, on nous dit, ouais, il y a 15 phares et tout. En plus, on a 5 boules de cristal. Il y a des phares. Faut retrouver Tachouin. Et là, bah voilà. Walou, Makash, Bono, Bezef. Je suis tellement deg. Bah non, on va pas lancer le 2 maintenant. On va pas lancer le 2 maintenant. Ah, mais crotte! Plus de mémoire dans la cartouche. Non, mais alors, c'est un scandale. Je suis scandalisée. Putain, le jeu est tellement bien en plus. Mais du coup, j'ai vraiment one-shot le boss de fin. Bah parce que déjà, il est pas téléchargé. Et non, il fait pas partie des jeux qu'il faut qu'on fasse là. Il y a d'autres jeux qu'il faut qu'on fasse avant. Attends, tais-toi le jeu pour voir. Je te boude. Casse-toi, Golden Sun. Alors là, je suis en bouderie totale. Je suis tellement en boudance. Je me sens trahi. Je me sens trahi. Il faisait pas partie des jeux qu'il faut faire. Oui! Non, il est pas dans la liste des jeux qu'il faut qu'on fasse maintenant. Mais on le fera après. C'est un peu comme si t'avais pas changé de jeu. Non, franchement, je me sens trahi. Là, je me sens trahi par le jeu. On a fait combien de temps dessus? Je sais même pas. Je peux savoir combien de temps on a fait dessus? Temps joué. Merde. Je sais pas. C'est... Je suis loutrée. Désolée de pas être venue. Normalement, j'ai eu un problème avec mon compte Twitch. Bah, pas que aussi, Max Bass. Merci à toi d'être là. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Ouais, bah va falloir qu'on fasse le 2, je sais pas quand, mais va falloir qu'on fasse le 2, hein. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Du tout! On verra à la fin du mois où ça en est le Beats Goal, mais je rajouterai peut-être... On fait Golden Sun 2? Ah,
mais j'en ai marre! Oh, cette fin! Bon, en tout cas, trop bien ce jeu. Trop bien, mais la fin est très frustrante. Très, très frustrante. Je suis loutrée. Oui, j'avoue, bah oui, il va falloir mettre le 2 et le 3 au cas où. Ouais, tu as raison, Camille. Tu as raison! Fais chier! Bah écoute, quoi de neuf? Pas grand chose, hein. Pas grand chose, toujours fidèle au poste. Toujours à faire du jeu vidéal. La geekerie, c'est la vie. Bon, bah voilà, fin de Golden Sun. Je suis décontenancée, en fait. Vraiment, là. Je m'y attendais pas.